Résistance, forces armées, citoyennes, liberté. En ce moment, on entend parler du foot. Vous y croyez vraiment au jeu, vous? Moi, j'y crois pas. Vous croyez vraiment qu'ils gagnent par le jeu? Que l'équipe est meilleure que celle-là, qu'elle a mieux joué que celle-là? Quand on sait la bande de Lascar qui se cache derrière le foot, moi j'émets des doutes. J'émets des doutes. Ça serait pas plutôt. Bon, tu laisses gagner cette équipe et puis. Au moyenne. Hein? Voilà. Moi je pense qu'il y a plus. Que c'est plus la vérité. Moi, j'y crois pas du tout au jeu. Déjà, j'aime pas le foot. Mais je suis sûr de ce que je pense. C'est comme vous soutenez quoi? Le jeu du foot? Le football en lui-même ou les joueurs? Non, parce que les joueurs, vous inquiétez pas, ils n'ont pas besoin qu'on les soutienne. Ils ont de quoi se soutenir tout seuls. Parce que les sponsors qu'ils ont autour d'eux, Heineken, tout ça, c'est vous qui les payez, les footballeurs. Non seulement vous payez votre adhésion en tant que supporter, mais tout ce que vous consommez, c'est vous qui les payez. Les sponsors, on va prendre la bière Heineken. Quand vous allez la boire au bistrot, il y a une partie qui va dans la poche des joueurs. Hein. Ben oui. Et après chaque match, oh, on rajoute 2-3 centimes au bistrot sur le prix de la bière. C'est vous qui faites la fortune des joueurs. C'est pour ça qu'à on me parle de jeu de foot. Vous rendez compte que ces gens-là, avec le pognon qu'ils se gagnent, des milliards qu'ils se gagnent, il pourrait, un peu partout en France, acheter des anciens hôtels, des anciens bâtiments, les rénover, en faire des centres sociaux pour loger ceux qui sont dehors. Avec une petite chambre, cuisine, voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, créer des associations. Mais c'est vous les donateurs à l'association. Réfléchissez un peu. Vous êtes pris dans un système, vous les voyez en Dieu, et moi je les vois en diable. Parce que ce sont des diables.